L'œil des oies. J'ai décidé de retourner à l'arbre maison pour dire à Itoua qu'Itou était sain et sauf. On y retourne. Ce n'est pas parfait. Alors, à quoi bon? Tu as recueilli plus de nectar frais pour les Kinglands. Oui, plein, bien odorant et sucré. Ces petits amours vont avoir leur festin. Les herbes. Je suis inquiète. Tu dois prendre la crosse. Je dois réparer le harnais de mon Ikran. Pardon. Je cherchais et toi. Non, ne pars pas. Reste avec moi un moment. J'ai laissé parler ma peur et ma colère. Et j'ai déshonoré ton chagrin. Même si elle a rejoint Eiwa, le souvenir de ma douce Asae me rappelle tout ce qui nous a été enlevé. Sa sagesse et sa bonté restent en nous et en Eiwa. Je vous vois, toi et toi, suivre le même chemin, un chemin qui l'éloigne de moi. Elle est comme sa mère, impétueuse et obstinée. Elle est l'intrépide Navi que j'aimerais devenir un jour. J'ai tenu Asahe dans mes bras quand elle est morte. Elle était intrépide, elle aussi. Là où tu vois un risque nécessaire, je ne vois que guerre et désolation. Mon peuple a déjà tellement perdu. Mais si tu fuis le combat, tu risques de tout perdre. Un instant, nous avons cru voir l'esprit pacifiste des Sarentu en toi, mais il semble avoir péri avec eux. Je vais aller voir Etua. Les soies de Nefika ne te vont plus? Elle doit être devant, donc elle est en bas. J'aime bien nous faire nous balader en haut, en bas. Elle est là. Elle est là. Tu pourrais m'aider du ciel. Ils finiront recouverts de blanc. Il me semble qu'il y a une sortie par ici. Comment peut-il penser que c'est de ma faute? Est-ce que... Voilà le retour de notre héroïque Sarentu. Tes ancêtres doivent être fiers. Les chasseurs m'ont informé de la triste mort de Zomei. Ceux qui viennent du ciel ne respectent ni la vie, ni la beauté. Ils sont responsables pour les Kinglor. J'en suis sûr. Qu'y a-t-il? Lorsque ta mère avait ce regard, ça se finissait mal. Lis-toi, leur reine. Elle te montrera ce qui l'a fait souffrir. J'ai essayé, mais je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Et si elle me rejette? Je tiens plus des humains que des Navi. Tu es les deux. C'est ça qui fait ta force. C'est pour ça que ça doit être toi. Ton père risque de nous bannir s'il l'apprend. Je sais qu'il a peur pour nous, Nefika. Mais si nous ne faisons rien, il n'aura plus rien à protéger. Le clair de lumière est parfait pour un rendez-vous en toute discrétion. Oui. J'y escorterai la reine des Kinglor. Apaise ton regard, ma Yantu. Tout ira bien. Une simple piqûre. Et quand tu te réveilleras, nous te donnerons un Nictsiei de nectar. Une piqûre? Ce n'est rien. Le Nictsiei de nectar te remettra sur pied. Tous ceux qui demandent des visions à la reine des Kinglor doivent récupérer du nectar avant le rituel. Rassure-toi, tu es plus Navi que tu ne le crois.
Allez, file. J'étais en train de regarder le l'arbre sacrément bien détaillé au niveau des résolutions. Alors, récolter du nectar de ruche. D'accord. Alors, on se met au niveau de la quête, on va désimpérer. Enlever l'épingle de ça. Hop. C'est loin, parce que j'ai pas regardé. Ah ouais. On se rapproche un peu. Par contre, c'est le bienvenu, hein, de nous faire un petit peu. Viens avec moi. Récolter les. Ça devrait t'intéresser. Les trucs. Jamais trop à manger. On va quand même s'armer parce que. J'ai l'impression d'être John Rambo. Oula! Piranha, hein. Avec notre arc dans la jungle. Ouais, les trucs dégueulasses qui nous pètent au visage, on va les éviter. Oh là. Comment tout est un autre site d'extraction. Je vois des tours et des silos. Rester sur l'objectif. Comment ceux qui viennent du ciel ont pu faire ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Sa chair est empoisonnée. Sa mort ne pourra même pas nourrir notre peuple. Je peux rien faire avec cette pollution. Rhea pourrait peut-être m'aider. Hé, hey, Rhea ! Quoi ? J'ai renversé mon café. Enfin, la boisson, on fait passer pour du café. Ouais. J'ai atteint une partie de la forêt qui est très polluée. Ça m'empêche d'aller chercher le nectar dont j'ai besoin. Voyons ça. Ouais, il y a une installation pas loin. Il faut que tu la détruises. D'accord, bon, ça bah. Ça va permettre à la forêt de respirer à nouveau. Ton feed t'aidera à le faire vite. D'accord. Je vais aller voir ça. Je t'envoie les coordonnées. Souviens-toi que cet endroit est sûrement bien gardé. Alors fais bien attention. Je suis passé juste à côté. Super.
c'est fait. Attaqué par quoi? J'aimerais bien voir autre chose que les arbres, les gens. J'irai bien dans son dos, mais j'ai peur qu'il se retourne. Reste la vanne là-haut. Est-ce que ça monte, ces saloperies? Ok. Je repartirai bien. Je fais le tour de l'autre côté. Pour avoir un minimum de type à armes. Il va y avoir du monde tout autour. On nous signale un dysfonctionnement mécanique. Quelqu'un s'en occupe. Recommence, c'est moi qui pue. Bon, je crois qu'on a bien mérité une soirée de... D'avoir ta soirée de repos. Okay. Alors, j'en ai un là. Commando, on a l'air super fort, non? Nice. Ça va saigner un peu le coin. La forêt se régénère.
Je dois trouver ce nectar. Bon, revenons à nos moutons, on était là pour jouer les apiculteurs à la base. Bon, c'est pas grave, un peu de furtivité. C'est plutôt sympa. En tout cas, c'était quand même un sacré zone hein, par rapport à la première qu'on a fait. La jaune est plus agréable hein, maintenant qu'il y a plus toutes ces saloperies. C'est vraiment marrant hein, ce principe d'autoroute. Merci pour ces cadeaux. Je l'ai. Oh. Ah, t'as qu'il y a... Bon, vas-y, viens. Rapporter le nectar et chercher une colonne de pierre dans l'arbre maison. Pourquoi je peux pas revenir, hein. Déplacement rapide. Hein. Une bestiole en fait qui a un bip bip sur elle. Hein. Tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est mieux comme ça, hein? Qu'est-ce qui est détaché? Ah, j'ai confondu avec ce truc là en fait, on a pas de point de déplacement rapide pour l'instant ici. Espérons que ça marche. L'espoir est la seule chose qu'il nous reste, Mayantu. As-tu apporté le nectar? Eiwa nous a apporté le cas. Ça ne va pas durer longtemps si Kanat découvre notre plan.
faire mal? Non, non. Eiwa, nous accueillons ton étreinte chaleureuse et nous nous lions à tout être vivant à travers toi. Ah, guide son esprit et emmène-le jusqu'au cœur du nid. Elle veut rassembler les Kinglor. Ils sont affamés. La reine les guide vers des fleurs pour les nourrir. Elle voit une installation de la RDA, mais elle ignore ce que c'est. La reine veut trouver d'autres fleurs pour nourrir les Kinglor. Les vagues d'énergie la perturbent, elle le sent. L'essaim est agité, elle est confuse, alors elle continue de voler. Quelque chose, une vague d'énergie violente. La reine, elle doit trouver les autres Kinglor. Elle doit les protéger. Une vague d'énergie, elle ferme les fleurs dont ils se nourrissent. Les Kinglor ont faim, ils sont angoissés. Les ballons, la vague vient des ballons. Elle repousse les Kinglor. Ils sont confus et perdus. Elle ne sait pas comment s'en débarrasser. La reine voit l'ombre qui plane, qui menace les saints. Elle me montre les autres ballons. Une installation de la RDA. Elle envoie un signal au ballon. Les Kinglor sont faibles. La reine doit se dépêcher et trouver un endroit sûr avant que les saints ne meurent. Voler, s'éloigner des ballons. L'essaim est faible. Où les mène-t-elle? Je pense que ça va. Mange ça. Tu as fait un long voyage. Que t'a montré la reine des Kinglor? J'ai vu la base des humains dominant la forêt. Elle envoie un signal aux appareils volants. C'est ça qui perturbe les fleurs et empêche les Kinglor de se nourrir. C'est pour ça qu'ils ont dû se réfugier dans l'arbre maison. Mais le problème, c'est qu'on ne peut atteindre ces appareils que depuis les airs. Je vais abattre ces appareils volants jusqu'au dernier. Ça ne suffira pas. Le signal vient d'une base de ceux qui viennent du ciel, près des colonnes de pierre. Mais je crois savoir comment désactiver les capteurs de ces appareils. Alors tu vas devoir voler avec nous. Il te faudra un Ikran. Un Ikran est un honneur que seul Ka'Nath peut accorder. Et il refusera. Les Kinglor ont montré que les Sotoutés étaient à l'origine de tout cela. Il sera forcé d'écouter.
Je vais rassembler les chasseurs. Leurs arcs nous aideront à sauver les Kinglor. Nefika te retrouvera à l'entrée de la volière. Il est temps de prendre ton envol, Ma Yantu. Je vais ramener Itu. Ça lui fera du bien de te voir enfin te lier. Nous nous retrouverons en hauteur près de la volière. Nos flèches seront implacables quand nous attaquerons ceux qui viennent du ciel. Et si je n'arrive pas à faire le lien? Ton honneur ne sera pas perdu, Ma Yantu. On chantera l'histoire de l'Ikran qui t'a fait tomber de la volière. Tu dois d'abord te lier à Eiwa. Elle te préparera à trouver ton Ikran. Prochaine quête, prendre son envol.